Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom dans lequel le salut est accordé à tout homme sur la terre, le seul nom qui est valable devant Dieu, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit de coutume, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre tendance spirituelle, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit votre pays, quel que soit votre village, je vous dis simplement que Dieu aime tout le monde parce que nous sommes son œuvre, nous sommes ses créatures. Et ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous puisse arriver à la repentance et arriver aussi à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous pendant que nous sommes ensemble pour pouvoir partager non pas la parole d'un homme, non pas la parole d'une communauté, mais la parole de Dieu. Et regardez que celui qui Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu. Et il est écrit dans l'évangile selon Jean au chapitre 1er au verset 6 et au commencement de l'évangile selon Jean, qui lui est un homme envoyé de Dieu, pas envoyé des hommes. Il est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et cet homme était venu pour rendre témoignage à la lumière et afin que tous puissent croire par lui. Et cette lumière qu'il véhiculait était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et dans ces émissions, et ce ne sont pas des prétentions, nous vous annonçons réellement la vraie parole de Dieu. La parole telle qu'elle était au commencement, la parole telle que les apôtres l'ont prêchée, la parole telle que les prophètes l'ont annoncée. Et beaucoup de gens sont attachés à des communautés, mais il faut être attaché à Dieu et attaché à sa parole. Les communautés ne sont pas toujours conformes à ce que Dieu dit. Regardez, quand Jésus est venu, il y avait beaucoup de communautés. Dites-moi à laquelle Jésus s'est-il joint, que ce soit les pharisiens, les sadducéens, les Esséniens, que ce soit les Hérodiens, tous ceux qui étaient là. Au contraire, Jean-Baptiste, quand il est venu, il les a tous traités de race de vipères, race de serpents. Et ça peut sembler dur, mais Jean, il ne les insulte pas. Il leur disait exactement ce qu'ils étaient. Ainsi que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous rende capables de pouvoir recevoir la vraie parole, comme lui-même a dit qu'étroit est le chemin. Et plus étroite est la porte, c'est le chemin qui mène à la vie. Et il y a très peu qui le trouvent. Mais sur le boulevard du péché, plusieurs sont là. Ainsi, nous vous disons d'abord merci pour vos prières à notre endroit. Si vous priez pour nous, que le Seigneur vous rende en centuple ce que vous souhaitez pour nous. Et merci aussi pour vos soutiens financiers et tout ce que vous faites pour le Seigneur. Et il ne tardera pas à vous le remettre en centuple. Et merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, non seulement pour ces émissions, mais pour la véritable œuvre de Dieu. Parce que tout ce qu'on appelle œuvre de Dieu n'est pas œuvre de Dieu. Il y a beaucoup d'œuvres des hommes. Dieu n'a qu'une seule œuvre, et c'est cette œuvre-là que vous êtes censé appuyer. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures pendant que nous sommes autour de sa parole, et qu'il vous rende capable de détecter ce qui est vrai et ce qui est faux, afin d'échapper à tous les pièges de Satan. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, et je vous donne ce conseil, prenez tout ce que nous disons dans ces émissions, et testez-les avec les Saintes Écritures, avec le Urim Tumim, la Bible. Si cela est conforme à la Bible, si cela est conforme à la parole de Dieu, alors acceptez ce que c'est Dieu qui vous a parlé. Si vous trouvez que ce que nous disons est contraire à l'Écriture, alors ne croyez pas cela, prenez ça, jetez cela, parce que nous sommes censés croire comme disent les Saintes Écritures. Ainsi, merci pour votre amour à notre endroit, et nous vous aimons aussi beaucoup, nous prions aussi pour vous, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur nous tous, et qu'il nous rende capables de recevoir cette parole qui peut nous introduire dans ce royaume inébranlable qu'il a réservé avant la fondation du monde, à ceux qu'il a connus avant que le monde ne soit et qu'il a gardé pour sa propre gloire. Ainsi que Dieu bénisse, pendant que nous allons l'inviter encore une fois à la scène en disant « Seigneur, parle-nous pendant que nous, tes enfants,
Nous t'écoutons. Nous sommes en train de nous entretenir dans ces émissions. Pas de n'importe quoi. Ce n'est pas une simple émission religieuse. Mais nous sommes en train de vous annoncer la voie de Dieu. La voie de Dieu, le chemin à suivre, et la voix de Dieu qu'on peut entendre avec ses oreilles pour ces derniers jours. C'est-à-dire que Dieu a une voix. Comme toi, tu as une voix, tu parles. Comme tu as des oreilles pour entendre, Dieu aussi a une voix. Dieu aussi parle et Dieu aussi écoute. Et c'est cette voix de Dieu dans ces derniers jours, c'est ce que nous appelons le message biblique du temps de la fin. Le message biblique. Le message, pas le message sur le message biblique, parce que Dieu a une voix. Dieu parle. Et nous sommes en train de parler spécialement de l'unité, et pas de n'importe quelle unité, pas l'unité avec des mondains, mais l'unité d'abord avec Dieu. Et nous croyons que Dieu ouvre de plus en plus vos yeux pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Et je vais relire encore les deux écritures qui nous servent de fondement, qui nous servent de base. Et nous allons d'abord dans Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, et je prends simplement les trois premiers versets. Hébreux chapitre 1er, et je prends les trois premiers versets. Là, il est écrit ceci. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il est question du Fils. Le Fils est au travers duquel Dieu a fait toutes choses et c'est au travers de lui que nous avons obtenu la purification de nos péchés ou le pardon de nos péchés et c'est au travers de lui que le salut nous est accordé. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La deuxième écriture, c'est Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, et je prends simplement encore deux versets, verset 26, verset 27. Là, il est écrit, puis Dieu dit, par l'armée céleste, par la Sainte Trinité, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme et à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voici les deux écritures et autour de ces deux écritures, nous parlons de l'unité. Nous parlons de l'unité avec Dieu, parce que Dieu, depuis l'éternité, il avait un projet de devenir un avec ses enfants. Dieu voulait être avec ses enfants. Regardez qu'avant que le péché n'entre dans le monde, Dieu descendait chaque jour dans le jardin d'Éden. Il parlait avec son fils, avec sa fille, Adam et Ève. Et c'était la communion parfaite, c'était l'union parfaite. Alors, nous voyons que Dieu, nous avons parlé dans les émissions qui ont précédé celle-ci, Dieu, dans son plan, pour pouvoir réunir son peuple qui est dispersé sur la terre, Dieu a pourvu du mécanisme ou bien des moyens pour parvenir à cette unité. Et nous avons montré que Dieu unit son peuple par son esprit et par sa parole. Si vous n'avez pas ces deux ingrédients-là, c'est comme pour la nouvelle naissance, en tout cas, vous ne pouvez pas compter être un avec Dieu. Parce que vous devez avoir foi en lui et vous devez aussi être scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Et Dieu lui-même l'a promis donc de nous rassembler par son esprit. Et nous avons lu ensemble dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, là où on a montré à Zacharie ce porte-lampe
avec ce vase d'huile, avec tous les conduits qui conduisaient au vase, et ce vase alimentait chaque lampe. Et vous savez que ce porte-lampe qui est appelé abusivement chandelier, ce n'est pas un chandelier. Un chandelier, c'est un porte-bougie. Mais là, si vous lisez, il y a des conduites, ce n'est pas un chandelier, c'est un porte-lampe. Et il a été, et comment je veux dire, c'est un symbole dans l'Ancien Testament montrant la dispensation de l'Église et comment l'Église sera abreuvée par le même esprit du premier âge jusqu'au dernier âge. C'est la même huile qui alimente la première lampe, c'est la même huile qui alimente la deuxième lampe, c'est la même huile qui alimente la troisième lampe jusqu'à la septième lampe. C'est la même huile, ce ne sont pas deux huiles différentes, montrant par là que le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit qui sera dans tous les âges, qui sera dans l'âge d'Éphèse, qui sera dans l'âge de Smyrne, qui sera dans l'âge de Pergame, qui sera dans l'âge de Thyatire, qui sera dans l'âge de Sardes, dans l'âge de Philadelphie et dans l'âge de Laodicée. Et nous voyons que pendant tout ce temps, ces dispensations, des hommes ont mis à jour des communautés de toutes sortes. Il y a eu des confessions religieuses dans toutes les directions. Mais Dieu n'est pas dans tout cela. Dieu n'a qu'une seule Église. Retenez bien cela. Dieu n'a qu'une seule Église. Et il veut unir les membres de cette Église. Dieu, de quoi nous ne parlons pas de l'unité des Églises. Si vous avez lu la fois passée, dans Matthieu chapitre 16, et où le Seigneur, après avoir posé la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme ?» Et quand Pierre a donné la bonne réponse, en disant que « Seigneur, je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le Seigneur dit « C'est vrai, tu as raison Pierre, tu es heureux, c'est mon fils de Jonas, parce que ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Vous comprenez ? La révélation pour savoir qui est le Fils vient du Père. Et moi je te dis que tu es Pierre, tu es Cephas. Écoutez, tu es Cephas. Et sur ce roc, sur cette pierre, c'est-à-dire Petra, moi, Jésus, je bâtirai mon Église. L'Église est bâtie sur la révélation du véritable Jésus, du véritable Christ, la véritable parole, l'Église est bâtie là-dessus. Vous comprenez? Il dit que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que même les portes du séjour de mort, les portes de l'enfer ne peuvent rien contre cette Église. Et il a parlé de son Église et pas de ses Églises. Dans le Conseil mondial des Églises. Et les gens ont tendance à croire que toutes les communautés viennent de Dieu. Alors ils disent, écoutez, venez, mettons-nous ensemble, marchons dans l'unité. Toutes les communautés ne viennent pas de Dieu. L'unique Église que Dieu reconnaît, que Dieu a établie sur la terre, c'est celle qui a commencé sa chevauchée le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu et qu'il a baptisé les 120 qui étaient dans la chambre haute, c'est là où l'Église a commencé. Les 120 qui étaient dans la chambre haute étaient les premiers à entrer dans le corps, c'est-à-dire que dans l'Église véritable. Vous comprenez? Et c'est à ce moment-là que l'Église a commencé. Le mot « Église » a été mentionné par le Seigneur dans Matthieu chapitre 16. Quand il a dit que sur ce roc, je bâtirai mon Église. C'est la première fois qu'on entendait le mot « Église ». Et ce mot « Église » est répété le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, plutôt, est mentionné en rapport avec le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Écoutez, quand Pierre a prêché et qu'il y a eu 3000 âmes qui ont donné leur vie à Christ, et regardez ce qui était dit, et en parlant de ce qui s'est passé ce jour-là, je commence au verset 41 et jusqu'au verset 47, c'est au verset 47 qu'on retrouve encore une fois le mot « Église ». Il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de Pierre, furent baptisés. » De quel baptême? Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Vous voyez,
C'est l'unité. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit avec tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Écoutez le verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de lui, auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, écoutez, ajoutait chaque jour à l'Église. Ah, maintenant l'Église était là. L'Église, ceux qui étaient sauvés. Dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur annonce que l'Église viendra. Il dit que sur ce roc, je bâtirai, c'est au futur, mon Église. Maintenant, le jour de la Pentecôte, quand les gens ont accepté et quand ils ont commencé à se réunir, il dit que le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église. Deuxième fois que le mot Église est prononcé, et tous ceux qui étaient sauvés. Parce que dans cette Église, c'est une Église de sauvés. Vous comprenez? Ceux qui font réellement partie de cette Église. Alors nous voyons que le Seigneur unit son peuple par sa parole et par son esprit. Et le Seigneur a promis lui-même de rassembler lui-même son peuple. Il a rassemblé ses brebis et il a promis qu'il y aura un seul troupeau et un seul berger. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs communautés. Je ne sais pas combien il y en a. Et il y a tellement de groupes de prière, il y a tellement d'organisations. Je ne sais pas combien de milliers il y en a. Et toutes se réclament de Christ. C'est ça le paradoxe. Toutes se réclament de Christ. Mais le Seigneur dit, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Prenez avec moi dans Jean chapitre 10, là où le Seigneur parle du bon berger. Et ce bon berger, c'est lui-même. Et regardez ce qu'il dit au verset 16 de Jean chapitre 10. Là où il dit, je suis le bon berger et mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Mais au verset 16, voilà ce qu'il déclare. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça, c'était toi et moi, nous les païens, parce qu'il avait parlé aux Juifs. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, écoutez, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Pas telle communauté avec son enseignement. Pas telle communauté avec son enseignement. Pas telle communauté avec son adoration, il y aura un seul troupeau et un seul berger et tous se regarderont dans la même direction. Voici le plan immuable de Dieu. Le Seigneur dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Parce que là, il s'occupait d'abord des Juifs. Regardez que le Seigneur, dans son ministère terrestre, il y a eu deux faces. Quand il est venu sur la terre, il a dit, quand les païens venaient comme la femme syrophénicienne qui avait sa fille qui était malade, il dit, écoutez, je n'ai été envoyé qu'aux 12 tribus de la maison d'Israël. Et il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et la donner aux chiens. Les chiens là, c'était toi et moi, c'était les gens des nations. Et la femme lui dit, mais les chiens mangent même les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors là, Jésus s'est arrêté, il a dit, c'est pas possible. Il dit, femme, ta foi est grande. Va qui te soit fait selon ta foi. Et nous voyons que quand il a envoyé ses disciples, à l'époque, et Judas c'était du nombre, d'aller évangéliser, il leur a donné une instruction bien précise. N'entrez pas chez les Samaritains, n'entrez pas chez les païens. Allez seulement vers les 12 tribus de la maison d'Israël. Ça, c'était sa première phase. C'est pourquoi, même quand l'Église a commencé, et ceux qui étaient dans l'Église avaient difficile à croire que les païens pouvaient aussi être sauvés. Vous comprenez? Et il a fallu que Dieu donne une vision à Simon, là il était à Jopé, c'est le Simon le croyeur, pour le convaincre que ce que moi j'ai sanctifié, tu n'as pas le droit de l'appeler essuyé. Et c'est ainsi que Pierre s'est levé, il est parti sur chez Corneille. Et quand le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité, après avoir été rejeté par Israël,
Il a dit maintenant, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Mais ce n'est plus maintenant pour ce baptême seul, pour toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le Seigneur a promis d'avoir un seul berger et d'avoir un seul troupeau. Et quand Dieu unit son Église, écoutez, par son esprit, ceux qui font partie de cette Église auront des signes du Dieu vivant au milieu d'eux, ils seront identifiés et ils seront différenciés des autres personnes qui sont sur la terre, ils ont des signes scripturaires. Comprenez, comme Israël, vous voyez, Israël était distingué des autres nations. Israël, quand il était dans la plaine de Moab, par exemple, et Balak n'a pas vu la différence qu'il y avait entre Israël et eux. Balak voyait seulement un peuple qui voulait maudire. Il appelait Balaam pour maudire ce peuple, mais Balak était un peu aveugle. Il n'a pas vu, comme le dit Israël, il y avait un prophète confirmé qui était là. C'était Moïse. Pas n'importe quel prophète. Pas le prophète de, comme nous avons ici dans nos cités qui raconte n'importe quoi, je suis prophète. Non. Il y avait un prophète confirmé. Un prophète, il est le porte-parole de Dieu. Un prophète, il est le révélateur de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ici, nous avons des prophètes qui ne voient que des sorciers. Qui vont seulement vous écouter, dans ta famille, il y a tel qui est sorcier, tel Dieu. Non. Dieu n'a pas de tel prophète, vous comprenez. Le prophète, il est avant tout celui à qui la parole vient. Vous comprenez. La parole de Dieu vient pour un prophète. Il est écrit dans Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Et pour ceux qui connaissent bien le message du temps de la fin, le verset 7, Amos chapitre 3, et verset 7, vous connaissez déjà, il est écrit, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Voici le mystère. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Vous avez aujourd'hui des soi-disant prophètes qui ne savent même pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Quand vous lui posez la question, « Monsieur le prophète, savez-vous ce que Dieu fait aujourd'hui ?» Il ne connaît pas. Et quand vous écoutez la portion de sa bouche, c'est du blabla, c'est du charabia, n'importe quoi. « Oh, je suis prophète. » Ils inventent même de parler en langue. Écoutez, faites attention à ces gens-là. Et dans leur parler en langue, ils ne font que répéter les mêmes histoires. Toujours la même chose. Le parler en langue, ce n'est pas ça. Le parler en langue, ce sont des langues qui existent réellement. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont les langues des hommes. Soit c'est une langue qui est parlée sur la terre, dans une tribu en Amazonie, qui est parlée dans une tribu, en Alaska, qui est parlée dans une tribu en Finlande. Mais c'est une langue qui existe. Ou c'est la langue des anges. Et les anges sont leur langue. Et parce que la Bible dit, quand je parlais la langue des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas Dieu, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Donc si nous parlons en langue, nous devons parler une langue qui existe. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Vous racontez n'importe quoi, je parle en langue. Et on ne sait même pas de quoi vous parlez. Et ce que vous dites là n'a aucune signification. C'est une langue qui n'existe même pas. C'est la preuve que ce sont des démons qui vous parlent. Vous comprenez? Et nous voyons que un prophète, c'est un révélateur. Donc, Balak n'a pas vu qu'il y avait un prophète là, qui avait le ainsi dit le Seigneur, qui était le révélateur de la volonté de Dieu pour ce temps-là. Ce prophète, c'était Moïse. Balak n'a pas vu ça. Balak n'a pas vu la colonne de feu qui était dans le camp d'Israël. Il n'a pas vu ça. Balak n'a pas vu la colonne de nuée qui était dans le camp d'Israël. Balak n'a pas vu le serpent d'airain qui était planté là pour la guérison du peuple. Balak n'a pas vu ça. Balak n'a pas vu le rocher frappé qui suivait Israël pour qu'Israël puisse avoir de l'eau. Balak n'a pas vu tout cela. Balak a vu seulement une bande de personnes méprisables. C'est ce qu'il a vu. Oh, nous sommes parmi les méprisés de ce monde et nous sommes les méprisés du Seigneur, mais nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Les gens peuvent nous regarder comme n'ayant rien,
mais nous sommes riches et nous en enrichissons plusieurs. Vous comprenez? Et nous avons la parole de Dieu que le monde ne possède pas. Et la parole de Dieu, c'est une très, très grande richesse. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont plein d'argent, qui ont des millions dans leur compte, mais qui sont devant Dieu, ce sont des pauvres. Nous qui n'avons rien, qui ne possédons rien, mais nous possédons la parole. Et cette parole, et sa valeur, même si on devait la coter à la bourse, c'est une valeur qu'on ne peut pas coter à la bourse. Parce que c'est une valeur infinie. Vous comprenez? Et nous voyons que Balak n'a pas vu ça. Balak dit à Balaam, viens seulement me maudire. Il y a un peuple qui est sorti de l'Égypte. Il a fait beaucoup de dégâts partout le passé. Mais je sais que toi, si tu pries, l'Éternel va t'écouter. Et Dieu dit à Balaam, n'y va pas. Parce que ce peuple que tu vois là, je l'ai déjà béni. Et nous voyons que c'est comme aujourd'hui. Il y a le vrai camp de Dieu. Et dans ce camp de Dieu, il y a un vrai prophète. Il y a le ainsi dit le Seigneur. Il y a la colonne de feu. Il y a la présence divine de Dieu au milieu de ce peuple. Et pourtant, le monde ne voit pas cela. Le monde regarde, oh, ce sont les méprisés du Seigneur. Mais je peux vous dire que maintenant où je vous parle, nous parlons de l'unité. Maintenant où je vous parle, Dieu unit son Église. Et retenez bien cela, nous allons y revenir un peu plus tard. Au travers des vrais ministères de la parole. Des vrais ministères de la parole. Tout le monde peut se dire ministre de la parole. Mais tout le monde n'est pas ministre de la parole. Regardez ce que Luc a écrit à son ami Théophile au début de l'évangile selon Luc. Oh, ce sont de très bonnes paroles et que j'apprécie à leur juste valeur. C'est Luc qui a écrit l'évangile selon Luc et c'est le même Luc et qui est, comment je veux dire, qui a écrit aussi le livre des actes des apôtres qu'on appelle les apôtres, mais ce sont les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Regardez ce que Luc écrit à son ami Théophile. En fait, cet évangile, c'est comme une lettre. Il a écrit, il a repris tout ce qui s'est passé, il a envoyé ça à son ami Théophile. Écoutez ce qu'il écrit. Il dit, Luc chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4, « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire des gens qui ont vu, dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole, vous entendez, pas des ministres tout court, et de, oh, je suis ministre de Dieu. Non, nous avons besoin des ministres de la parole, des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et Dieu, écoutez-moi bien, les gens cherchent l'unité de l'Église. Même pas l'unité des Églises. Ils cherchent l'unité des Églises. Mais Dieu cherche l'unité de l'Église. Ils cherchent l'unité des Églises. Et Dieu maintenant est en train d'unir son Église. J'ai dit bien son Église. Au travers des ministères de la parole que lui-même a établi dans son Église. Les vrais ministères, ce sont des dons de Christ à l'Église. Et ces ministères viennent de lui. C'est Dieu qui choisit. Il n'y a pas d'école des ministres de la parole dans la Bible ou dans l'Église. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école de pasteurs. Il n'y a pas d'école de théologie. Ça n'existe pas. Ça, ce sont des choses modernes. Des facultés de théologie, oui, c'est vrai, vous formez des théologiens, mais qui deviennent, ils entrent bien, mais quand ils en sortent, ils sont plus embrouilleurs qu'avant. Dieu n'a pas d'école de théologie. Dieu n'a pas de faculté de théologie. Ça n'existe pas. Je défie quiconque de me montrer dans cette Bible l'école où les prophètes ont été formés, l'école
où les apôtres ont été formés. Montrez-moi dans quelle école Moïse est entré. Il a eu un diplôme, et ce n'est pas un diplôme en divinité, diplôme en quoi. Montrez-moi dans quelle école Jérémie est entré. Montrez-moi dans quelle école Amos est entré. Montrez-moi dans quelle école, frère, et les apôtres sont entrés. Pierre était un illettré. La Bible dit que Pierre et Jean, quand ils ont comparu devant le Sanhédrin, étaient des hommes sans instruction. Mais aujourd'hui, on va à l'université pour écouter ce que les hommes sans instruction ont prononcé la parole du Seigneur sous inspiration. Et nous voyons que c'est ce qui amène de la confusion. Et tous ces gens-là, qui sont passés dans ces écoles de théologie, leur ministère, si je peux dire, ne peuvent amener l'unité de l'Église. C'est pour cela qu'ils courent tous dans le Conseil mondial de l'Église, où il y a des savants intellectuels, mais qui n'ont pas la parole qui peut unir les gens sur la terre. Ils veulent unir des communautés, mais Dieu ne cherche pas à unir la communauté. Dieu cherche à unir son Église à lui-même. C'est ça la différence. Dieu cherche à unir son Église par lui-même. Alors nous voyons que Dieu unit son Église par des vrais ministères. Et ces vrais ministères, écoutez, Dieu a placé uniquement 5 ministères dans son Église. En dehors des charges locales. Je vais en parler aussi. Et en dehors de ces ministères, tous les ministères que des hommes ont ajoutés, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Voici ces ministères, nous en parlerons plus tard, mais j'en parle maintenant un peu à l'avance. Il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs. Voici le seul 5 ministères que Dieu a placé dans son Église. Les docteurs, plutôt les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. En dehors de cela, tout ce que les hommes ont ajouté, même si des titres semblent beaux, même si ça semble beau, Dieu n'est pas là-dedans. Il n'y a pas des officiers militaires dans l'Église comme ministère ordonné par Dieu. Ça n'existe pas. Toi qui en as donné un ministère de caporal, un ministère de capitaine, un ministère de colonel, Dieu ne connaît pas ce ministère-là. Et au jour du jugement, tu seras jugé pour avoir porté, avoir exercé un ministère que Dieu n'a pas ordonné dans son Église. Il y en a qui ont d'autres ministères. Il y a des pères supérieurs, des pères inférieurs. Il y a, tout ce que vous connaissez là dans les églises. Dieu n'est pas là-dedans. S'il n'y a pas ça, et dans la charge locale, il y a des évêques et il y a des diacres. Dans la charge locale. Les mêmes évêques sont aussi appelés les anciens. Un point, un trait. Il n'y a pas d'archevêque dans l'église. Ça n'existe pas. Montre-moi dans cette Bible où Paul ou Pierre ou n'importe qui a été appelé archevêque. Ils étaient des évêques. Regardez ce que Pierre dit à propos de son ministère. Pierre, il n'a jamais dit que je suis archevêque, ça n'existe pas. Les archis là, ça n'existe pas. Dans la première épître de Pierre, regardez comment Pierre parle de lui-même. Il est en parlant aux anciens. Dans 1 Pierre chapitre 5, Pierre dit, voici, verset 1er, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, pas aux archevêques, qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Écoutez, je suis ancien. Pierre n'a jamais dit, je suis archevêque. Montre-moi un seul verset où même le mot archevêque existe dans la Bible. Ça n'existe pas. Ce sont des inventions humaines. Archibishop. Hein? C'est comme le maréchal du Zaïre. Il était le général du corps d'armée. Et puis, il y a eu d'autres aussi qui sont venus, le général du corps d'armée. Non, moi, je dois être un peu au-dessus. Alors, il a dit, je deviens maréchal. Dans l'église, c'est pas comme ça.
laisser ces gens choses-là dans le monde. Hein? Bon, donc, pour se distinguer des autres évêques, je deviens archevêque. Ça n'existe pas. Je défie quelqu'un, montre-moi un seul verset. Parce que vous n'avez jamais fait attention à cela. Oui, le mot archevêque ou archibishop, bishop, là, c'est en anglais. Pourquoi vous voulez seulement qu'on vous appelle bishop, hein? Alors que c'est un terme anglais. Qu'on vous appelle, c'est pas moi, évêque, vous ne voulez pas. Vous voulez seulement des titres anglais. Archibishop, ça n'existe pas. Regardez l'apôtre Jean, qui était aussi une colonne dans l'église. Regardez comment il se présente à Kyria et à Gaius dans la deuxième épître. Il est verset premier, il n'y a qu'un seul chapitre. L'ancien, c'est-à-dire Jean, à Kyria. Il n'a pas dit l'archevêque. Non, ça n'existe pas. L'ancien à Kyria, l'élu. Et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et dans ce troisième épître, il s'adresse à Gaius, un bien-aimé dans la vérité. Il dit, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Donc Dieu est en train d'unir son peuple, son église, au travers de cinq ministères, qui sont les ministères de la parole. Pas des ministères préfabriqués par des hommes, des ministères de la parole qui prêchent la parole et qui ont un enseignement biblique. Ces ministères-là, ils sont fidèles à l'enseignement de la Bible et ils sont bâtis, écoutez, comme il est écrit dans Éphésiens au chapitre 2. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens au chapitre 2. Là où nous sommes bâtis. Et pour être bâti là-dessus, il faut écouter les vrais ministères envoyés par Dieu. Éphésiens chapitre 2. Commençons par le verset 19. Regardez ce qui est écrit jusqu'au verset 22. Il est écrit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés, vous avez été bâtis. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Écoutez attentivement. Vous avez été édifiés, c'est-à-dire bâtis, sur le fondement des apôtres qui représentent le Nouveau Testament et des prophètes qui représentent l'Ancien Testament, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, donc en Christ, tout l'édifice bien coordonné, c'est pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc vous comprenez par là, il y a des vrais ministères mandaté par Dieu, et c'est au travers de ce ministère que Dieu est en train d'accomplir ce grand travail d'unir son peuple par sa parole et par son esprit. C'est en écoutant ce ministère mandaté par Dieu et qui ont en eux l'apport de Dieu, parce que celui que Dieu envoie, tel qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, au verset 34, et il est écrit, la première partie, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Si réellement c'est Dieu qui vous a envoyé, vous direz exactement ce que la parole dit. Mais un homme qui est envoyé de la part d'une communauté, il dira ce que sa communauté l'a enseigné. » C'est pourquoi chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, il détache cette personne de toute influence humaine. Et regardez, Moïse a dû être gardé pendant 40 ans, derrière le désert, donc derrière le mont Horeb, jusqu'à ce qu'il ait fût complètement vidé de toute sa connaissance égyptienne. Vous comprenez? À tel point que, quand vous regardez le cheminement de Moïse, vous ne verrez nulle part où Moïse se réfère à ce qui s'est fait en Égypte, dans la maison de Pharaon. Vous comprenez? Et regardez que Jean-Baptiste, étant
encore tout jeune. Ses parents sont morts parce qu'ils l'ont eu dans la vieillesse, ils sont morts aussi pendant qu'il était jeune, avec 9 ans. Et Dieu l'a pris, l'a conduit dans le désert pour l'écarter de l'influence et des religieux de son temps. Et quand il est sorti du désert à 30 ans, 21 ans dans le désert, et il parlait un langage qui n'était pas habituel pour des religieux. Vous comprenez? Dieu fait des choses comme ça, à tel point que, regardez comment l'Écriture parle de lui, je l'ai dit ça tout à l'heure, dans Jean chapitre 1, il dit, au verset 6 seulement, il dit qu'il y eut un homme envoyé de Dieu, pas envoyé des hommes, son nom était Jean. Il était un mandaté de Dieu, un envoyé de Dieu. Et Dieu, au travers des ministères qu'il a lui-même mandatés, Dieu opère un grand travail, c'est l'unification du corps de Christ. Et ces ministères nous conduisent à l'unité. Nous allons en parler plus tard. Et donc nous voyons que le temps est tellement fort avancé. Vous regardez autour de vous, le monde se disloque. La politique se disloque. L'économie se disloque. Vous entendez ça? L'éducation se disloque. Tout est en train de se désintégrer. Mais le corps de Christ ne se disloque pas. Le corps de Christ est en train de s'édifier. Et il s'édifie au travers des ministères mandatés par Dieu lui-même, pas par quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que ces ministères sont éparpillés sur toute la terre. Celui qui est de Dieu écoute les envoyés de Dieu. Tel que Jésus l'a dit dans Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10, c'est le verset 16. Regardez ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Et ne prenez pas ça à la légère. Il est écrit, Luc chapitre 10, verset 16. Celui qui vous écoute, il parle à ses disciples, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez, les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, ils sont comme un papier d'emballage. Mais à l'intérieur, c'est la parole véritable qui se trouve là. Peut-être que l'emballage ne vous plaît pas. Vous prenez tout le paquet, vous jetez, mais vous ne savez pas ce qui est à l'intérieur. Parfois, il y a un objet de valeur à l'intérieur, mais peut-être emballé dans un emballage qui ne vous plaît pas, qui est peut-être sale, tu peux voir, il y a un morceau de tissu qui n'est pas propre. Mais à l'intérieur, il y a un diamant de, c'est pas moins de 1000 carats. Toi, tu regardes le tissu, ça ne me plaît pas, tu prends le tissu et tu jettes, mais tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et le Seigneur dit à ses disciples, je parle au travers de vous. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Beaucoup ont rejeté des vrais serviteurs de Dieu. Et en même temps, en rejetant ces vrais serviteurs de Dieu, ils ont rejeté le salut sans le savoir. Vous comprenez? Ils ont rejeté le salut. Regardez ce que le Seigneur a dit des pharisiens et des docteurs de la loi qui n'ont pas voulu accepter Jean-Baptiste à cause que son accoutrement ne leur plaisait pas. Il n'était pas habillé comme un ecclésiastique. Il était habillé en peau de chameau. Il mangeait des sauterelles et il mangeait du miel sauvage. Ils ont dit, écoutez, ça c'est quel genre de prédicateur ça. Hein? C'est comme des gens qui nous regardent. Vous avez quel diplôme pour prêcher? Vous avez quel diplôme? Je m'appelle, quand j'ai commencé à faire ces émissions, ça a été tellement une onde de choc pour des théologiens et qu'ils appelaient la chaîne où j'ai commencé à faire ces émissions. Ils disaient, écoutez, cet homme qui parle là, dans votre chaîne-là, il a fait quelles études? Il a quel diplôme? Si vous voulez des émissions religieuses, appelez-nous, nous avons été formés pour ça. Dieu n'a pas besoin des hommes formés par des hommes. Dieu a besoin des hommes qui lui-même forment. Et regardez ce qui est écrit. Jean-Baptiste n'était pas passé dans leurs écoles et aucun docteur d'Israël ne pouvait dire non, ça a été mon élève, non, mon étudiant, non. Jean-Baptiste était dans le désert. Et celui qui l'a instruit, c'est lui-même. Parce qu'il m'a dit que celui qui m'a envoyé, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est celui-là qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Alors, les religieux de son temps n'ont pas accepté Jean-Baptiste.
Ils sont allés même jusqu'à le décapiter. Comprenez, Hérode l'a fait décapiter à cause de sa concubine, la Hérodias, qui était la femme de son frère Philippe. Maintenant, regardez ce que le Seigneur Jésus dit à propos de ceux qui ont rejeté Jean-Baptiste. Dans Luc au chapitre 7, au verset 30, le Seigneur dit, je commence même au verset 29, il dit, et tout le peuple qui l'a entendu, c'est Jésus qui parle. Je commence même au verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Ils ont justifié Dieu. Écoutez, mais les pharisiens et le docteur de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, parce qu'ils n'ont pas reconnu, ont rendu nul à leur égard les ou le dessein de Dieu. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous rejetez les hommes que Dieu envoie pour votre temps, qui vous annoncent la voie du salut, vous rejetez automatiquement ce que Dieu est en train de faire dans votre génération, dans votre temps, et vous ne serez pas participant de cette œuvre, et vous ne serez pas récompensé. Et regardez qu'aujourd'hui, les gens ne savent même pas que Dieu a parlé aujourd'hui. Ils ne le savent même pas. La preuve, c'est laquelle? C'est-à-dire que ils peuvent monter en chair. Et regardez tous ces évangélistes aujourd'hui. Ils ont des campagnes, ils ont des gros titres, ils font de grosses affiches. Mais aucune de ces personnes ne connaît les promesses de Dieu pour cette heure. Ils ne savent même pas que Dieu a promis un prophète au temps de la fin. Qu'il Élie, Élie doit venir, Malachie 4, verset 5, verset 6. Et quand il viendra, il doit ramener le cœur des enfants au cœur de père. Ils ne le savent même pas. Leur problème, c'est épater les gens avec des titres très grands. Hein, nous allons détruire les hôtels du diable. Nous allons faire ceci. C'est tout ce qu'ils savent. C'est tout ce qu'ils savent. Venez chez nous, notre Dieu puissant, inflation des miracles, c'est tout ce qu'ils savent. Mais la parole de la promesse, pour le temps dans lequel nous vivons, ils n'en connaissent rien. Ils n'en parlent même pas parce qu'ils sont étrangers à ce que Dieu fait aujourd'hui. Donc, le Seigneur est à la porte. Le monde se disloque. Il y a des guerres partout. Mais pendant que cela se fait, l'Église est en train de s'édifier. Le corps de Christ est en train de s'édifier. Et le Seigneur a promis qu'ils viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils vont s'attabler où ça? Dans le ciel même. Avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac, avec tous les saints. Ce sera un rassemblement mondial. Un rassemblement, pas un rassemblement tribal, non. Mondial. Il y aura des élus d'Israël, des élus des nations, et ce sera un grand rassemblement dans le ciel. Le Seigneur lui-même l'a confirmé dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, seulement le verset 11. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit, oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, c'est l'Est, et de l'Occident, c'est l'Ouest, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et cela va se réaliser textuellement. Et il y aura un grand rassemblement et qui va se faire dans le ciel. Mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Beaucoup attendent l'enlèvement. Il n'y a que le corps de Christ qui sera enlevé. Et ce corps, il sera dans l'unité. Ce corps, il n'y aura pas de tiraillement dans ce corps. Pourquoi aujourd'hui même dans ce message, il y a tellement de tiraillements, il y a tellement de gens qui se tirent les balles dans les pieds, il y a tellement de haine, c'est terrible, de haine. Pourquoi y a-t-il des choses comme ça? C'est parce que nous n'avons pas le même esprit. Nous ne sommes pas tous dans le corps. Ceux qui sont dans le corps, ils se reconnaissent, ils s'aiment, ils se supportent et ils marchent ensemble. Nous avons des tiraillements parce que nous n'avons pas le même esprit. Et avant que l'enlèvement ne puisse intervenir,
Toi, mon frère du message, toi qui prétends que tu vas aller dans l'enlèvement, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il y aura une seule église. Il n'y aura pas plusieurs communautés. Avant l'enlèvement, l'église ou l'épouse sera une. Elle sera tellement soudée que Satan ne saura pas par où passer. Avant l'enlèvement, Dieu va ôter toute incrédulité au milieu de l'épouse. Il n'y aura aucune confusion parmi l'épouse. Et ils vont croire la même parole. Ils seront scellés du même Saint-Esprit. Il n'y aura pas de dispute pendant l'enlèvement, pendant comment. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, toi, tu ne dois pas être ici. Non, il n'y aura rien de tout cela. Il n'y aura que les élus de Dieu. Et avant que l'enlèvement ne puisse intervenir, il y aura un grand rassemblement. Oh, frère, ça sera, il n'y a que le corps qui sera enlevé. Les assemblées ne seront pas enlevées. Vous comprenez? Si maintenant dans ton corps, dans ton être, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu n'es pas dans l'unité avec Dieu. Si tu es réconcilié avec Dieu, tu seras réconcilié avec ton frère, réconcilié avec ta soeur, même s'il ne voit pas de la même manière que toi. Tu seras réconcilié. Et il y aura un rassemblement et il y aura une unité. Et dans cette unité, écoutez, et la parole sera vivifiée dans des individus. La parole sera devenue chère dans les individus. Et sa vie, la vie de la parole, sera en vous. Vous ne serez pas un petit diable. Non, la vie de la parole, la vie de la compassion, la vie de l'amour, la vie, c'est pas moi, de la tempérance, la vie, oh, tu seras tellement rempli d'amour que même tes ennemis, tu vas les aimer. Mais il y a des gens qui attendent l'enlèvement avec de haine, qui ne supportent pas, qui critiquent, qui insultent, qui tiennent des propos désagréables sur des individus. Oh, moi, votre frère, j'en sais quelque chose. Il y a des gens qui ont une haine mortelle contre moi. Une haine gratuite. Je n'ai pas de problème avec ces gens-là. Je n'ai pas leur dette. Je n'ai rien. Mais à cause de la parole que je défends, à cause de la parole, c'est ce que Dieu a dit dans Jean chapitre 17. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Quand tu as ce cœur-là de Caïn, sache que tu ne verras pas l'enlèvement. Et Frère Branham est allé au-delà du temps, il lui fit dire, ici, il n'y a que l'amour parfait qui entrera. Et vous devez vous conformer à la parole, vous devez la croire. Et telle qu'elle est écrite, vous devez demeurer dans la parole, pas être passager. Vous devez dans la parole et elle doit demeurer en vous et vous devez rester avec la parole. Votre vie doit être une vie de la parole. Votre vie, vous devez aimer comme Christ a aimé. Vous devez supporter comme il a supporté. Vous devez pardonner comme il a pardonné. Vous devez être identifié. Vous devez devenir participant de la nature divine. Regardez, quand il a parlé du vrai cep, dans Jean chapitre 15, regardez ce qu'il dit au verset 17 de Jean chapitre 15. Il dit, « Si vous demeurez en moi, » oui, c'est pour de demeurer, « et que mes paroles demeurent en vous, » ah, c'est dans les deux sens, « et que vous demeurez en vous, et demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Demeurez dans la parole, demeurez en Christ, c'est ce que nous avons besoin. Vous devez être en accord avec toute la parole de Dieu, pas une partie de la parole de Dieu. Dieu veut vous remplir entièrement, que vous devenez entièrement la parole de Dieu. Vous devez croire toute la parole et pas une partie de la parole. Le Seigneur a dit, l'homme ne voit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous devez croire toute la parole de Dieu, vous comprenez, et rejeter un seul morceau de cette parole, vous jette loin de l'unité avec Dieu, vous jette loin de la communion avec lui. Dans Matthieu chapitre 24, verset 35, le Seigneur dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole, elle ne passera pas. Vous devez croire toute la parole. Vous devez demeurer dans la parole. Et rejeter même un petit morceau vous envoie loin de la continuité avec Dieu. Et regardez, il y a des grandes églises qui prétendent croire la parole de Dieu, mais qui n'acceptent pas le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et rien que ça,
ça vous jette loin de Dieu, loin de la communion avec lui. Il y a des églises qui disent, écoutez, nous sommes en Christ, nous sommes avec lui. Mais qui autorise les femmes prédicatrices, qui autorise les femmes à porter des pantalons, rien que ça, vous jette loin de sa présence. Vous ne pouvez pas être dans l'unité. Est-ce que vous comprenez? Oh, nous sommes l'église du Seigneur. Mais vous êtes tout le temps devant des statues. Hein? Vous êtes là en train de prier des statues, en leur donnant des noms. Toi, tu es sainte telle. Toi, tu es sainte telle. Alors, Exode chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 6, verset 7, il est dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Et rejetez cela, vous jette loin de l'unité avec Dieu. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, je vous en supplie, je vous en conjure, soyez réconciliés avec Dieu. Et pour être réconciliés, revenez à la parole véritable. Toi qui te fais appeler archibishop, toi qui te fais appeler archevêque, montre-moi là où cela est écrit dans la Bible. Ôte ce titre-là, qui est un titre, comme il n'est pas dans la Bible, il est anti-biblique, il est antichrist. Ôte ce titre-là, et reviens à la parole véritable. Sois réconcilié avec lui. Aussi longtemps que tu portes tous ces titres-là, qui ne sont pas bibliques, tu ne peux pas être dans l'unité avec le Dieu Tout-Puissant. C'est dur ce que je vous dis là, mais il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Tous ceux qui portent des titres, qui n'ont rien à voir, « Oh, je suis général, je suis capitaine, je suis ceci. » Montre-moi où Pierre a été général, il a été capitaine, il a été sergent. Montre-moi ça dans la Bible. Ça n'existe pas. Mais vous voulez porter ça parce que c'est bien. Vous portez un uniforme, vous marchez là-dedans très fier, ne sachant pas que ces choses-là vous jettent loin, loin, loin de la présence de Tout-Puissant. Et la parole de Dieu, je termine par là, je continue par là dans la prochaine émission, exige de nous une séparation totale d'avec l'incrédulité. Vous devez vous séparer de toutes les choses impures. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, séparez vos hommes. Et les dénominations, elles sont des grandes hybridatrices de la parole de Dieu. Les dénominations religieuses, les groupes de prière, dans tous ces jeux, les gens ont des choses impossibles. Ils ont même des prophéties qui ne calment même pas avec la parole de Dieu. Et ils enseignent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et vous acceptez ça parce que tout le monde accepte ça. Non, nous acceptons ce que Dieu accepte. Et en dehors de cela, tout n'est que confusion religieuse. L'unité avec Dieu est apportée au travers des ministères. Des vrais ministères ordonnés par Dieu. Et dans ces ministères, ils ont la parole de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est quand ils ont le Saint-Esprit qu'ils ont commencé à prêcher. Toi qui prêches parce que tu as un diplôme d'une université, sache que ce diplôme-là ne t'autorise pas à prêcher. La seule personne qui peut t'envoyer pour que tu puisses prêcher, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et si tu vas mandaté par des hommes, tu vas aller de confusion en confusion et tu vas simplement embrouiller ceux qui t'écoutent et tu vas t'embrouiller toi-même et ton salaire, il sera où? Dans la perdition. C'est pourquoi que Dieu ait pitié de nous et nous allons voir que le Seigneur veut que il puisse nous remplir entièrement. Et nous devons croire toute la parole de Dieu, sans exception. Toute la parole de Dieu. Et nous devons vivre de toute la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend à la parole de Christ. Et quand nous faisons cela, l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous va nous conduire dans la véritable unité avec notre Père Céleste. Et si nous sommes en unité avec lui, nous serons en unité avec notre prochain. Ainsi, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu vous visite personnellement. Si vous voulez savoir ces choses que je vous dis dans ces émissions sont vraies, c'est très simple. Mettez-vous simplement à genoux et posez la question à votre Dieu. Parle-lui, dites-lui, Seigneur, ce que j'entends dans cette émission, cet homme qui parle ici, il parle de lui-même ou bien il parle de ta part?
lui-même va te répondre. Ce n'est pas à moi de me défendre, mais pose-lui la question et il te dira si c'est vrai ou pas que ce que je te dis est la vérité. Ainsi que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde jusqu'à la prochaine émission, prochain rendez-vous. Et en attendant cela, méditez cela jusqu'à la prochaine émission. Et à la prochaine émission, nous allons continuer. Mais en attendant cela, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, à l'émission prochaine.